Ah ouais. Les amis, ma voix là, c'est pas encore revenu, hein. Tellement hier on a fait le show. Hier on a assuré grave. Hier on a assuré très grave. Jamais une opposition a pu faire ce qu'on a pu faire hier. Hier on a assuré très grave. Aujourd'hui là, je voulais m'adresser à un imbécile là. Ce farfelu de Parigo là. Camara Daouda Parigo. Qui s'est ajouté un nom pour se faire passer pour un sénoufo. Regardez-moi un usurpateur comme ça là. Tu viens de quel village de sénoufo? Faut venir me dire ça ici. Ils font les vidéos, nous on parle pas parce qu'on sait qu'ils arrivent à soutirer un peu d'argent à Guillaume Soro. Nous ça nous plaît, tant qu'ils arrivent à lui prendre de l'argent, nous ça nous plaît. Un imbécile comme ça, tu as passé tout ton temps en train de mentir. Et dans ce qu'il veut rentrer maintenant là, c'est devenu traité. Lui ose dire que le président Alassane Ouattara est étranger. Que la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Pourtant, lui-même, il oublie son passé, je ne sais pas. Même s'il y a une seule personne qui me regarde, qui écoute cette vidéo ou bien qui regarde cette vidéo-là, j'aimerais que la personne lui envoie cette vidéo-là, ce que je vais lui dire, il n'a qu'à entendre. Parce qu'à un moment donné, là, il y a des gens là, on va leur dire les vrais noms. C'est comme lui, Parigo, là. Son vrai nom, là. On va lui dire ça. D'abord, on va commencer. Pendant la rébellion, là, tu t'es fait passer pour un gars de société civile, tout ça, là. D'abord, laissons tout ça, là, même, d'abord. Ton papa, là, comment il est arrivé à mal, on peut te dire ça, hein. Ta famille, comment ta famille est rentrée à mal, on peut te dire ça. Toi, tu peux nous citer ton village en Côte d'Ivoire. Tu peux nous dire d'où tu viens en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux nous dire ça. Je pense que quand tu es rentré à Paris ici, ton oncle chez qui tu habitais, lui, c'est un digne. Il est parmi la communauté guinéenne ici. Il t'a dit qu'en faisant tes vidéos chez lui, il est dans de bons rapports avec les Ivoiriens. Et les Ivoiriens savent que lui, il est de la communauté guinéenne. Il ne veut pas se mêler de tes problèmes. Quitte chez lui. Tu as fait toutes tes manœuvres, tes marmailles, tu as fait tout ça là. Tu es rentré en contact ici avec Guillaume Soro. Sinon, au pays là, tu n'étais pas en contact avec lui. Ton ami, les gens qui ont fait que tu as pu manger, que ce soit et dans la rébellion et après la rébellion là, on connaît. Ces personnes là, ils ont de la valeur. C'est des gens qui se dispensent pas. Toi, Parigo, toi tu vas venir t'asseoir pour dire que la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens là. Dans la bouche, que ça doit sortir là, c'est pas dans toi ta bouche. Parce que toi-même, tu n'es pas un Ivoirien. Quand on parle de. Si on dit les Ivoiriens n'ont qu'à parler, est-ce que toi tu dois parler, Parigo? Si on dit les Ivoiriens n'ont qu'à parler du problème de la Côte d'Ivoire, est-ce que toi tu es dedans? Moi, ce genre de vidéo là, ça me plaît même pas parler de nationalité de quelqu'un ou tout ça là. Moi, ça me dit rien. Je n'ai même pas envie de parler de ça. Mais je vois que l'imbécile, il connaît plus sa place. Ta bouche remplie de dents là, où tu n'arrives même pas à bien parler là. Tu parles, André, ils ont serré ta gorge là. Toi, tu peux venir t'asseoir pour parler du président Alassane Ouattara. Tu te fais passer pour un politologue, un politicien, un quoi, tout ça là. Tes papiers là, t'as fait ça où? Tous tes diplômes, tu parles là. Tu as eu ça où? Dans quel établissement de Côte d'Ivoire? Des imposteurs comme ça.
Mon cher ami, si tu arrives à gagner tes 100 euros, tes 500 euros, tes 1000 euros avec Guillaume Soro, nous on t'empêche pas, c'est ta vie, c'est ton problème. Mais toi, tu ne peux pas venir prendre une nationalité de Côte d'Ivoire ici pour dire que toi, tu es plus ivoirien que quelqu'un. Parce que toi-même et ton père, avant de mourir, n'a jamais pris la nationalité ivoirienne. Il est toujours resté guinéen. Tes marat au pays là, ta maman plus sa rivale là, au pays là, qui sont amants là. Ou bien parce qu'on n'a pas envie de parler de vous, vous voulez forcément qu'on parle de vous? Vous voulez forcément qu'on parle de vous? Toi, Paris, toi, tu peux parler du président? Toi, tu peux parler même des nationalités de quelqu'un? Les amis, s'il vous plaît, si, même si c'est une seule personne qui regarde cette vidéo là, transférez-lui cette vidéo là. Il n'a qu'à regarder, je lui dis son vrai nom. Dans la rébellion, tu t'es fait passer pour la société civile. Une chose que les jeunes démons, ils ont adhéré et ils t'ont porté haut pour pouvoir être l'intermédiaire entre eux et la population. Entre la population et les militaires. Quand il y a eu une certaine confiance, quand Guillaume Soro est venu mettre son histoire de centrale en place, tu as intégré la centrale. Tu as volé l'argent, tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu n'as même pas pu regarder même ta propre famille. Je pense que ton petit frère qui était malade là, moi c'est un de mes frères sans qu'il l'a fait soigner en Guinée. C'est un de mes gars sûrs qu'il a fait soigner en Guinée. Toi, Paris, toi, tu peux venir t'asseoir pour parler du président. Dis-nous le nom de ton village. Ton nom, t'as mis quoi sur ton nom là. Tu te fais passer pour un sénoufo là. Toi, tu es sénoufo? Je pense que ton nom guinéen qui est ici là, le monsieur honnête, j'ai même pas envie de dire son nom. Il t'a viré le chelou parce qu'il veut pas que tu fasses, tu t'intéresses à la politique ivoirienne étant dans sa maison. Étant dans sa maison, il veut pas que tu t'intéresses à la politique ivoirienne. Parce que lui sait qu'il est guinéen et ses rapports avec les Ivoiriens ici, il n'y a pas de problème. Vous là, on a tous vos dossiers, on sait pas tout où vous êtes passé. On parle pas parce que vous arrivez à manger un peu avec Soro et après maintenant vous devez dépasser les bornes. Toi Paris, toi, tu peux parler du président. Ton village en Côte d'Ivoire, la faune nous dit. En quoi un camarade est plus ivoirien qu'un Ouattara en Côte d'Ivoire? Parce que si on veut parler, on va forcer nos camarades, on va forcer des gens avec qui on a grandi. Sinon toi tu peux parler, tu peux brandir ton village en Côte d'Ivoire pour montrer à quelqu'un. Jusqu'à demain, tes parents là, ton papa est mort là, ces deux femmes là, ta maman plus sa rivale là, ils sont pas amants. Toi, tu vas venir t'asseoir pour parler la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Mon cul, toi, tu as fait toutes tes magouilles. Tu as passé par tous les voies et moyens pour pouvoir rentrer en contact ici avec Guillaume Soro. Celui qui t'a mis en contact avec lui là, on sait, c'est Amiral. Parce que toi-même là, toi-même en personne comme ça, Fafa et Guillaume Soro, il ne te prend pas parce qu'il te connaît, il sait que tu es un traître. Tu es là pour le vendre, tu es là parce que tu n'avais pas de situation. Ou bien tu peux venir nous dire quoi si ça. Parce que ton oncle, chez qui tu étais là, il t'a vidé. Il t'a dit, politique ivoirienne, dans lui sa maison. Parce que lui, il est guinéen, il n'a pas de problème avec les Ivoiriens avec qui il vit ici. Quitte chez lui. Voilà des gens qui portent des costumes, qui ne savent même pas aucun style, sans scrupule. Et c'est eux qui vont venir s'asseoir. Même si on dit la politique ivoirienne, il faut vraiment parler. C'est toi aussi là, tu dois parler sur Alassane Ouattara. Vraiment, ça fait pitié, ça fait honte. Donc, l'homme pour qui tu dis tu te reconnais, que tu dis c'est ton mentor là. Il n'est même pas égal même au fils du président, à plus forte raison le président lui-même. C'est-à-dire que même toutes les personnes qui ont passé dans l'écurie du président, là, ton mentor ne peut même pas se comparer à une seule personne parmi ces gens-là. Tous ceux qui sont passés à l'école de formation du président, ton mentor ne peut même pas se comparer à un seul. Il ne peut pas. Et c'est toi qui vas venir te jouer les technocrates, les diplomates, les quoi, sortir des mots même que tu connais même pas le sens. Hey,
ton petit frère qui était malade, qui avait Christian là, qui avait une maladie épileptique qui tombait chaque fois là. Lui qui l'a soigné là, c'est mon ami. Lui quand demain tes parents lui disent merci là, c'est mon ami. C'est mon frère sang, c'est mon gars sûr. Vous pensez que nous les hommes on a pris le combat, on a fait la Sako et Guillaume Soro, on a fait. Nous on a fait notre truc là. C'était la liberté de tous les Ivoiriens. Et nous aujourd'hui, on sait que nous on est libres aujourd'hui. Voilà un Guinéen. Il s'est approché à la rébellion, il a gagné une petite place. Il mangeait dans la centrale. Dans la centrale de Guillaume Soro. Il n'y a pas de problème, nous, on n'a rien contre ça. Parce que la rébellion, à un moment donné, c'était devenu un moment de sauf qui peut. Où tu peux manger, c'est là-bas hier. Maintenant, après, si tu as pu gagner des potes ou bien tu as pu te faire des contacts, il n'y a pas de problème. Mais, matin, midi, soir, l'imbécile là, ce vagabond, ce vadrouillard, ce sans domicile fixe, va venir s'asseoir pour insulter le président. Chaque fois, il parle des nationalités du président. Toi, tu peux parler des nationalités du président? Toi, tu peux parler de la santé du président? Bon, pour lui, c'est... Pour toi-même, c'est même pas trop important. Ablaye Fofana, là. Mes amis, si vous voyez ce monsieur-là, il a vraiment... Il a des sérieux problèmes. Parce que, d'abord, il fait des trucs. Et puis, même... ses propres parents en danger au pays. Parce qu'ils n'arrivent même pas à dire la vérité à ses parents. Pourquoi ils l'ont radié? Il fait croire que c'est une histoire de politique. Dans la vie, là, quand tu es militaire, et puis on t'a détaché derrière une quelconque personnalité, si ce dernier-là n'est plus à son poste, tu rejoins tes rangs. Tu ne décides pas de toi-même de suivre ce dernier-là. Le monsieur, il a fait, c'est comme s'il avait bras de fer avec l'État de Côte d'Ivoire, non même pas l'État de Côte d'Ivoire, avec l'armée de Côte d'Ivoire. Et dans ça, on l'a radié. Il ne dit pas la vérité à ses parents. Il va mentir à ses parents pour dire que, comme lui, il est plus proche de Guillaume Soro, ça cause ça, le Premier ministre et les autres cadres du Groba se sont associés pour que lui, on le radie dans l'armée. Il pense qu'en passant par toutes ces conneries là, ça va créer quoi? Quelle division? Champion, vous êtes trop faible. Toi, ton patron, avec tous vos acolytes là, vous êtes trop faible. Vous pouvez rien. Hier, on vous a démontré ça à Paris. Abidjan, pareil. C'est vrai que tout le monde ne peut pas aimer le président. Hein? C'est eux là, par contre, là, qui marchent actuellement, qui barrent les routes là. Oui. Mais ils sont combien? Vous qui dites que le Grand Nord est divisé là, tous ces matchs qui se passent là, il y en a eu dans quelle ville du Nord? Un ami qui m'envoie un vocal aujourd'hui, il me dit certaines choses là-dedans. Je n'ai même pas envie, je vais même pas dire son nom. Mais l'ami, moi je te dis, moi je suis confiant. Moi je sais que nous on est sur la vérité. Et tant que nous on est sur la vérité là, tant que vous êtes dans le mensonge là, la vérité, comme tu l'as si bien dit dans ton vocal là, que la vérité va triompher là, on verra bien. La vérité n'a qu'à triompher. Si c'est nous qui avons tort là, si nous on a tort d'être RHDP là, la honte là, ça n'a qu'à nous prendre. Et il faut même pas que même le RHDP n'a qu'à passer au premier tour. Parce que on sait qu'il n'y aura même pas de premier tour. Parce qu'on est dans la vérité là, le RHDP va faire un coup KO. Et c'est la partie là qui va vous faire mal. Voilà pourquoi... Dans le clan où tu as adhéré là, qui est le GPS, ce que vous préparez depuis longtemps, c'est l'insurrection, c'est le coup d'État. Mes frères, je te dis, la Côte d'Ivoire là, c'est pas dirigé par un plaisantin. Le président là, c'est pas camarade de quelqu'un, c'est un chef d'État. C'est un chef d'État. Tout ce que vous avez tenté là, si c'était un plaisantin là, il y a longtemps vous l'avez sauté. Il y a longtemps la Côte d'Ivoire était, on nageait dans les bains de sang. Mais c'est pas n'importe qui. Vous avez profité, vous avez fait trop de choses dans même par rapport à les matchs qui se passaient. Vous avez infiltré des gens qui doivent faire des casses, qui doivent faire des trucs graves, des crimes graves, pour que oui, on dit que non, c'est toujours le président qui est à la base de tous ces malheurs-là.
mais ça prend pas. Changez de disquette, votre disquette là, c'est rayé. Ah ouais, Fofana, toi, ton papa, c'était un vendeur de poulet à Cyril, au grand marché de Cyril. On connaît ton histoire. On sait que si ce n'est pas grâce à Ibera, toi, tu ne pourrais pas rentrer dans l'armée. Parce que tu n'as rien donné pour être dans l'armée. Et toi, même malgré ça, tu es rentré dans l'armée. Toute la crise post-électorale, la rébellion jusqu'à la crise post-électorale qui s'est passée, tu as fait quoi? Tu as montré quelles preuves? Tu as pu faire quoi? Rien, champion. Tu n'as rien pu faire. Mais Soro va t'envoyer à ta perte, il va t'envoyer à ta rue. Parce qu'il ne pourra rien faire pour toi, il ne pourra rien faire pour qui que ce soit. Vous avez passé tout votre temps en train d'incenter les filles avec qui vous travaillez et tout et tout. Tout ce que vous planifiez, c'est à femme, vous partez parler. Ça prouve que toi-même là, tu n'es même pas militaire. Parce qu'un militaire qui ne sait même pas garder sa langue, c'est même pas un militaire. Militaire qui couche à une femme et puis qui explique tout ce que lui prépare comme coup d'état dans un pays. Les gens que lui fait infiltrer dans un pays, sa femme il va expliquer. Est-ce que lui là c'est un militaire? Est-ce que lui là c'est un militaire? Excusez-moi, mais lui là c'est pas un militaire. Lui là c'est pas un militaire. Le militaire là, il doit être une tombe. C'est-à-dire que quand il dit un secret ou bien quand il connaît quelque chose là, il doit mourir ça. C'est ça un militaire. Les gens qui sont devenus officiers dans notre armée de Côte d'Ivoire par accident. C'est-à-dire qu'il n'a rien donné même pour atterrir là. Il n'a rien fait même pour atterrir là. Et c'est lui aujourd'hui là qui va venir se vanter pour dire moi commandant, attends. Toi tu es commandant de quoi? Commandant mon cul. Vendeur de brode. Là tu faisais quoi? Après tes études primaires où tu n'as pas gagné CP là, tu faisais quoi dans le marché de Ségué là? C'était pas brode qui vendait? C'est pas brode qui vendait? Youyou! Jusqu'à ce qu'il y ait pitié de toi après la mutinerie à venir te prendre, te faire rentrer dans l'armée. Mais voilà des gens comme ça. Arrigue! Tu lui fais du bien, prends ta main droite pour essuyer ton derrière. C'est les gens comme ça là. Mais t'inquiète pas. En Rodougou là, on dit, quand tu vas dire en chute, les coups qui flat. Quand tu creuses un pour ton ennemi ici, tu creuses un pour toi-même ici. Voilà. C'est comme ça. Mais ta pète là, c'est plus loin, frère. C'est plus loin. Et revenons à ce Guinéen de Parigo là. Toi, tu fais alliance avec des. Je vois des jeunes Koyara qui font alliance avec lui. Les perdus comme les Amiral Blindé avec les Konaté là. Venez vous tous là, venez sortir vos papiers là, ils sont venus voir. On va venir vérifier vos villages où vous dites vous. D'où vous dites vous venez là. Venez sortir vos papiers là, ils sont venus vérifier. On va venir vérifier. Des patramores comme ça. Toi, par exemple, toi, tu peux venir t'asseoir pour parler de nationalité du président de la République. Tu peux venir parler de nationalité du président de la République? Camarade Daouda. Go, Guillaume Soro, le charismatique Guillaume Soro, mon cul, ouais. Voilà, c'est ce que je suis. Comme vous avez décidé que. Parce que personne ne vous. Un d'abord, c'est pas. Il n'y a personne qui vous envoie en exil. C'est vous-même qui avez décidé de ne plus jamais rentrer dans votre pays. C'est vous-même qui avez décidé de ne plus jamais. Hey, Paris, comment toi-même, tes vacances là, c'est en Guinée. Sinon, c'est pas en Côte d'Ivoire en tout cas. Parce que Côte d'Ivoire là, c'est pas chez toi. C'est une ville qui t'a adopté, qui est la ville d'Ima. Qui a accepté tes parents. Sinon, en dehors de la ville d'Ima, là, toi, tu peux montrer ton village en Côte d'Ivoire. Quand ça chauffe, ils sont devenus Tagbana. Quand ça chauffe, ils sont Sinufo. Quand ça chauffe, ils sont devenus Nowoloka. Ils sont devenus quoi que ce soit. Hey, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a les problèmes. Hein. C'est vrai qu'entre nous, Ivoiriens, vraiment, on se titille. Mais pour dire qu'on ne connaît pas chez l'autre, ou bien on ne se connaît pas entre nous, là, tu mens. Hein. Tu mens. C'est vrai que tu es pu, tu fais tes conneries, on ne voulait pas te répondre parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui arrive à gagner un peu sa vie avec Guillaume Soro parce qu'il lui donne. Vous là, vos vidéos que vous faites sur la toile là, on sait.
vous êtes payé et votre patron, le patron de vous tous là, le patron de vous tous là, on sait que c'est Amira Blindé. Il y a plein parmi vous là qui nous a fait savoir ça sans faire attention. Comme Zulu le Bogota, comme l'imbécile de Diomandé, un imbécile perdu comme ça qui vient de Diboroso. Vous tous là, vous nous avez fait savoir que votre patron, le patron de tous les cyberactivistes, celui qui prend vos chèques avec votre argent de chez Soro pour venir vous partager là. Vous tous là, sans le savoir, vous nous avez dit que c'est Amiral Blindé. Par rapport à votre sortie que vous avez fait le jour où vous présentez entre vous là. Ce jour-là, pour des personnes intelligentes comme nous là, on a su déjà que le meneur d'hommes là, on a su en même temps que le meneur d'hommes là, c'est Amiral Blindé. Il parle pas beaucoup. Mais quand il regarde vos vidéos, si tu n'as pas framponné, si tu n'as pas insulté le président comme il se doit là, ton agent là, à la fin du mois là, il diminue ça. On sait tout ça là. Des gens comme les moutons de Soulé de Paris, l'homme, ils ont jeté au deuxième étage avec son pied. Femme camerounaise, là, va te tuer. Soulé, il me connaît parce qu'il était voisin. Son grand frère, là, était voisin à mon oncle à Clichy-sous-Bois. Où femme, là, le frappait chaque jour, là. On se voyait là-bas. Où. Les gens, vous n'avez même pas bon dossier. Vous n'avez rien comme. Et puis c'est vous qui venez vous attaquer à des gens qui sont vraiment plus supérieurs même aux gens même à qui même vous reconnaissez comme idole. Mais c'est pas possible. Je sais pas si le monde en avait ou bien quoi. Je sais pas si le monde en avait. Voilà un imbécile encore. Le petit clochard là qui dort en squat à Aubervilliers là. À moi Jackie. Lui là aussi il vient, il insulte le président. Toi, tes parents à Dalois, là, et ça, on ne se connaît pas. On ne connaît pas ta famille à Dalois. Lui aussi, il veut venir se faire passer pour Djeneka. Franchement, ça fait honte, ça fait pitié. Harike, lui aussi, il va venir s'asseoir pour parler de la nationalité du président. Ouais, on a qu'à dire ça, oui, le président n'est pas ivoirien, mais ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, toi-même, même toute ta vie, même les ajouter celle de tes parents dessus. Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Maintenant, là, on va faire du tic au tac avec vous. Quand vous sortez là, si vous venez raconter des bêtises, en sortant, on va venir vous dire la vérité. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous êtes là, vous parlez, vous ne faites rien que pour mentir, rien que pour intoxiquer les gens. Autrement, l'ami Shiba, là. Ami Shiba, là. Toi, là, si c'est pas Ibé, là, toi, tu peux devenir quoi dans l'armée du Côte d'Ivoire? Tu pourrais devenir quoi? Est-ce que tu pourrais même être simple à courant dans l'armée du Côte d'Ivoire? Quelqu'un, on le prend, on dit non, c'est le protégé des majors. On le prend, on le met dans l'armée. Même les manœuvres, même là, rien. Ton poté trahi comme ça, tu es devenu fonctionnaire. Mais malgré ça, tu n'as pas laissé le monsieur. Malgré ça, tu n'as pas laissé le monsieur. Les amis, la vidéo là, ça n'a qu'à arriver chez Parigo. Il n'a qu'à venir me dire son village en Côte d'Ivoire là, c'est où. Et puis depuis quand lui, les xénophobes, les tagbana, et puis il n'a qu'à venir dire le nom de son village. Je jure devant Dieu, c'est son nom qu'il était, comment on appelle, chez qui il est descendu à Paris ici là. Son oncle était obligé de le mettre dehors parce qu'il dit je ne veux pas avoir de problème avec les Ivoiriens. Moi, tout le monde sait qu'ici, je suis dans la communauté guinéenne et les Ivoiriens me respectent en tant que Guinéen.
je ne vais pas avoir de problème avec eux. Quitte chez moi avec ta politique, va te chercher ailleurs. C'est comme ça son oncle l'a mis dehors. Et dans ça, toi, tu vas venir t'asseoir, toi, tu vas parler de la nationalité du président. Le débat n'est plus là-bas. Le débat n'est plus si quel qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Quand vous voulez qu'on rentre dans ça, là, on va vous dire aussi d'où vous venez là. Venez nous dire ça en Côte d'Ivoire. Votre village en Côte d'Ivoire, venez nous dire ça. Moi, je suis Kaninga, moi, je viens de Kani. Moi, je dis le nom de mon village. Toi, tu viens d'où? Parigola, tu viens d'où? Viens dire le nom de ton village et puis viens dire le nom du chef de ton le chef du village de chez toi. Imbécile comme ça là, Guinéen là. J'ai pas de problème avec les Guinéens les amis, j'ai aucun problème avec les Guinéens. La preuve en est, j'ai beaucoup d'amis Guinéens. Hein, nous là, on est passé presque partout, on n'a jamais eu problème chez quelqu'un parce qu'on ne s'intéresse pas à la politique de chez eux. Les Guinéens là, c'est des frères, c'est des amis. Nous, là, on a beaucoup d'amis qui ne sont pas de Côte d'Ivoire. Il y a des Maliens, il y a des Burkinabés, il y a des Guinéens, il y a des... Moi, j'ai des amis libérés, j'ai des amis Sierra Leonais. Parce que c'est africain. Voilà. Et puis, ces gens-là, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Et puis, ils ne se sont jamais intéressés à la politique de chez moi. Comme moi, d'ailleurs, je ne me suis jamais intéressé à la politique de chez eux. Si tu fais ta politique et que tu arrives à gagner un peu d'argent avec ton mentor, il n'y a pas de problème. Guillaume Soro, il a beaucoup d'argent à distribuer. Il a beaucoup d'argent à distribuer parce que tous les milliards, il a volé depuis les classes de BCAO là, avec l'argent de la centrale qu'il a regroupé, avec tout ce qu'il a gagné comme argent dans l'accord de Ouara, dans son truc de primature et tout ça là. Tout ce qu'il a volé là, tant qu'il n'a pas encore fini de dilapider tout ça là, il pense toujours pouvoir prendre le pouvoir d'État avec la force en Côte d'Ivoire. Mais il ne va jamais y arriver. Et il n'y a pas quelque chose qui fait ça, hein. C'est pas à cause d'autre chose. Hein. C'est parce que il a tué quelqu'un qui était. Il a tué que des Koyara pendant la rébellion. Et puis pour lui montrer que c'est pas fini là. Malédiction de ça là, ça va pas le louper. Tant que ce que nos parents ont mis en place depuis des décennies pour dire que c'est un pacte entre les Koyara et les Sénifo, un Sénifo ne doit pas verser le sang d'un Koyara, un Koyara ne doit pas verser le sang d'un Sénifo. Et que lui, il a outrepassé tout ça jusqu'à ce qu'il allait faire tuer des jeunes Koyara par ces assassins qu'il avait mis en place. Faire tuer des jeunes Koyara par des assassins qu'il a autour de lui là. Et même ceux qui l'ont aidé à faire ces sales besoins là, ils vont tous payer. C'est pas la mort de Ibé seulement. Hein. Vous pensez que Guillaume Soro tuer les Koyara là, ça a commencé par Ibé. Ça n'a pas commencé par Ibé. Ibé, c'était le dernier. Mais en dehors de Ibé là, ceux qui l'ont tué, on ne peut pas compter. Toi, tu vas pas finir tout ça là, et puis Dieu va te laisser en paix. C'est pas possible. Tu peux pas rester dans ça et puis Dieu va te laisser. Sauf si l'alliance là, c'est mensonge. Mais si c'est fait sur la vérité, si nos parents ils ont signé ce pacte là, sur la vérité là, tu vas payer ça, Guillaume Soro. Et toi, Ablaï qui l'a aidé à faire tout ça là, ça va pas te louper aussi. Aujourd'hui là, tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tout ce que tu prépares là, pourquoi on arrive à demander tout? C'est parce que vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Sinon là, si la vérité était dans votre camp là, je jure tous les petits coups que vous avez mis en place là, ça aurait avoir des effets. Ça allait même porter même ses fruits. Mais ça ne peut jamais porter ses fruits parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Mais vous allez sentir ça. Surtout toi, Ablaï. Toi, tu vas payer le plus lourd tribut même. Tu vas payer ça plus cher même que Soro. Soro, lui, il connaît sa fin. Mais toi, c'est pour toi là qui va vraiment t'étonner. Pourquoi tu as fait fuir ton papa de Ségué là?
Le vieux va se pouler, il arrive à gagner ses 5 francs, 5 francs. Tu l'avais fui. Parce que tu as pris ton temps à mentir. Et aujourd'hui, tu as mis toute ta famille dans le problème. Hein? C'est comme il voulait savoir même chez Ablaï là, Jésus. Avant la rébellion là, tu étais qui? Tu étais quoi? Dans l'armée de Côte d'Ivoire. Quand tu viens t'asseoir aujourd'hui pour dire je suis officier supérieur de l'armée de Côte d'Ivoire. Avant la rébellion là, tu étais quoi? Est-ce que tu étais simple caporal même? Est-ce que tu étais simple caporal? Soldat de deuxième classe, tu n'es même pas première classe. Et parce que, par miracle, voilà, les galons là, quand on devait donner, si on doit donner les galons aux gens là, on devait vraiment au moins essayer de peser à qui on devait donner, à qui on ne devait pas donner. Voilà des gens, ils ont fait commandant, officier par accident. Et aujourd'hui, lui, il est capable de venir se vanter sur nous pour dire que lui, il est officier de l'armée de Côte d'Ivoire, toi, un radier comme ça. Est-ce que même le galon d'officier que tu avais là même là, est-ce que toi-même tu en as mis conscience tu le méritais? Est-ce que tu as fait papier de ça? Est-ce que tu as fait papier de ça? Tu as fini de vendre le poulet? Tu as fini de vendre le yougou yougou à ces gars-là? Quelqu'un qui n'a rien connu à l'école, même CMCP n'a pas connu. Vous allez savoir que c'est un nul même là. Tous ces discours écrits qu'on fait pour lui donner et puis il vient lire là. Regardez comment il prend son temps. Regardez comment il prend son temps. Les amis, c'est là où vous allez comprendre qu'il est nul. C'est-à-dire que même malgré on a donné galon d'officier, et puis par la malédiction, il a perdu ça aujourd'hui là. Par la malédiction, il a perdu ça aujourd'hui là. Il n'est même pas capable de venir dans le pays des Blancs où il est là, chercher à s'instruire pour pouvoir devenir quelqu'un. On te donne, on t'écrit papier pour venir lire. Tu prends tout ton temps parce que tu sais que si tu es allé plus vite, c'est la honte. Nous, on s'en fout. Hein? Nous, on n'a pas dit que nous, on est né dans des familles où on est né avec des cuillères en or dans la bouche. Hein? Mais quand on regarde les souffrances d'une famille et puis d'une autre, là, on sait qui vraiment ça n'allait pas. On sait qui vraiment ça n'allait pas. Champion, nous on n'est pas allé loin à l'école même là. C'est la force des choses qui fait que nous on n'est pas allé loin à l'école. Sinon, c'est pas parce qu'on n'était pas intelligent. Nous on sait notre histoire là. On sait on doit à qui. On sait pourquoi on n'a pas pu continuer les études. Sinon, toi tu n'as rien connu même en t'enlevant à l'école. Parce que tu connaissais rien. C'est ton petit frère qui t'est caché à Rouen là. Lui il connaît papier. Lui, il a eu des diplômes même. Mais toi seulement, tu connaissais rien. Je te dis, frère, Parigo a osé parler de la nationalité du président, je te jure. Il a oublié d'où lui vient. Il a oublié qui il est. Il a oublié comment même lui, il a fait pour intégrer la rébellion. Et jusqu'à même venir manger dedans. Hein. Mais voilà, c'est les traites comme ça, Guillaume Soro avait besoin de lui. C'est des trucs comme ça qu'il avait besoin. Est-ce que aujourd'hui là, lui, Parigo, même si on dit Guillaume Soro te donne tout, même si on dit que Guillaume Soro fait tout pour toi, est-ce que lui, Parigo, lui peut venir s'asseoir pour parler de la nationalité du président Alassane Ouattara? Est-ce que lui peut venir s'asseoir pour parler de ça? Parce que ton oncle même qui t'a accueilli ici en France là, lui, il est respecté dans la communauté guinéenne. Il t'a dit, venez faire les vidéos chez lui là. Il ne veut pas de ça. Parce qu'il ne veut pas avoir des problèmes avec les Ivoiriens. Donc il faut quitter chez lui. Ori, tu es devenu artiste. Jusqu'à tu as fait sortir son pour Guillaume Soro. Mais c'est bien. C'est bien. Tant que ça te nourrit, c'est bien. Mais faut pas changer de cap. Faut pas venir parler de nationalité de notre président. Parce que même le cadavre du dernier Ivoirien est mieux que toi. Parce que le dernier Ivoirien même là est mieux que toi parce que c'est la terre de ses ancêtres qui t'a accueilli, ta famille et toi. Donc un peu de respect, camarade Daouda, un peu de respect.
faut respecter les Ivoiriens, faut respecter la Côte d'Ivoire, faut respecter le président de la République. Voilà. Aujourd'hui là, tes parents, ta maman et puis ta marate là, ils ont peur aujourd'hui. Ils se disent que les Ivoiriens vont s'en prendre à eux. Parce que voilà ce que tu fais. Tu es devenu la honte de ta propre mère. Moi je connais ta famille, je connais tes frères. Parce que mon gars sûr qui s'occupait de ton frère quand il était malade là, c'est mon ami. Toi tu peux rendre service de 1 euro à quelqu'un. Même à ta maman qui est au pays là, tu l'envoies combien, Arigo? Ta maman qui est couchée à Mala, avec ta marade là, tu les envoies combien? Si les gens doivent parler aussi sur le président, toi tu dois être dedans. Ouais, mais respect mon vieux Coran Lacoste. Voilà un gars. Cet imbécile de Ablaye Fofana là. Tu allais enlever ton papa. Tu l'as fait fuir. Tu allais le faire cacher à Abidjan. Bon, aujourd'hui là, il est caché, levé, il est caché à Niamey là. Il va pouvoir vendre ses poulets là-bas pour pouvoir s'occuper de la famille. Parce que toi, tu n'as même pas le temps. Toi, tu as encore des problèmes ici à cause de. Abidjan, c'était à cause des maîtresses. Aujourd'hui, encore, ici, encore, c'est à cause des maîtresses. Nous, ici, là, si nous, on n'était pas sur la vérité, là, pourquoi hier, parmi vous, là, personne n'a fait vidéo. Paris Goé, c'est poltron de vidéoman de GPS et puis son pro Gbagbo mélangé, tout ça là-bas. Là. Hein? Parce que hier, on a fermé la gueule de tout le monde. Vous avez dit que la majorité est chez l'opposition. Tout l'opposition réunie à Paris, si vous avez fait un meeting, vous n'avez même pas atteint les 3 quarts de ce qu'on a fait. Même les 5 quarts de ce qu'on a fait. Tout l'opposition réunie ici. Après, vous allez vous asseoir pour dire la vérité chez vous. Il a dit tant que c'est dit que le Koyara et puis c'est une fois là, il y a alliance là. Sauf si nous on a menti sur vous là. Voilà, Dieu n'a qu'à nous donner la grande honte de notre vie. Mais tant que c'est la vérité ce qu'on dit là, Bilay, vous, avec votre solo là, Akumbechine n'a la tienne. Bilay, les a Akumbechine. Parce que solo il a trop tué les jeunes Koyara. Et Dieu ne va pas lui pardonner ça. Il pense que c'est fini. C'est pas fini. Oh. C'est pas fini. Nous, là, on te parle à mon roman. Ce que tu as fait à nos parents là. Et nos imbéciles de frères, des moutons de frères qui t'accompagnent dans cette sale besogne là. Vous tous là, vous allez payer. Vous allez payer. Toi, Soro, ton Ablaye et tous tes acolytes, tous tes compagnons qui t'accompagnent dans ça. Sauf si l'alliance là, c'est pas la vérité. Mais si c'est la vérité, Abbe Malo, Nena Lake. Abbe Malo. Vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Vous avez fait passer par. Vous avez passé par tout. Vous avez dit tout. Comme quoi c'est le président qui est violent. C'est le président qui fait quoi que ce soit. C'est le président qui est ceci. Mais vous ne parlez pas de ce que vous faites en bas. Tous les jours, vous infiltrez les gens en Côte d'Ivoire pour aller attaquer nos parents. Pour toujours pouvoir faire porter le chapeau au président et son gouvernement. Mais les gens ils sont au courant. Mais quand ils vont commencer à parler de ça toujours là, pour dire non, c'est Guillaume Soro qui a fait ci, c'est Guillaume Soro qui a fait ça, tu vas venir t'asseoir encore en victime. Pour dire je suis couché ici, je suis dans les problèmes, ils disent c'est moi qui les attaque. Mais la vérité là, ça va se savoir. La vérité là, ça va se savoir. Quand tu as Kamelo Bronte, les enfants qui n'ont rien à voir dans tout ça là, les enfants des gens sont allés les faire tuer à Kafolo. Et même encore, on a eu la chance, sinon ces gens-là ils voulaient nous mettre la honte encore. Ils allaient essayer de faire tuer des grands leaders même du pays pour faire porter le chapeau encore au président. Mais tout ça là, on est au courant.
tout ça dans nos courants. Ça ne va jamais marcher parce que vous êtes des maudits. Parce que vous êtes maudits. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui, ça ne peut pas marcher demain. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout ça là, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. C'est parce que c'est le moment qui n'est pas encore arrivé. Sinon là, si vous étiez dans la vérité là, tout ce que vous avez tenté là, ça allait porter fruit. Ça allait porter fruit. Mais nous, on est content aujourd'hui. On est content demain. On est content après-demain parce qu'on sait dans ce qu'on est là, c'est la vérité. Et ça fait que Dieu va nous accompagner dans tout ce qu'on entreprend. Et la honte là, ça serait pour vous. Mon ami qui m'a envoyé le vocal là pour dire non, qu'on n'est pas dans le même bateau là. T'inquiète pas, on n'est pas dans le même bateau. On ne va même pas être dans le même bateau aussi. On ne sera jamais dans le même bateau. Mais ça ne change pas, ça changera toi et moi. Hein. Toi et moi, on est frères. On va causer toujours, on va communiquer toujours. On va se parler, même quand on se voit, on est frères. Parce que Dieu seul sait ce qu'on a galéré ensemble. Toi aujourd'hui, la personne que tu te reconnais là, la personne là, ce qu'il nous a fait en 2007-2008 là, tu connais? Tu connais? Moi je connais. Tu sais ce que toi et moi on a traversé dans ça. Voilà. Mais après ça t'a arrangé parce que toi tu es sénoufaux. Ce n'est pas aller trop loin avec toi. Mais nous autres là on sait ce qu'on a perdu dedans. Voilà. Non mais quand tu dis on n'est pas dans le même bateau, je comprends. Voilà. Parce qu'aujourd'hui là, James Roy est sénoufaux, toi tu es sénoufaux. Ça marche, ça roule. Mais il n'y a pas de problème. Mais quand tu venais ici là, mon ami, tu n'es pas venu avec ta famille. T'as compris? Tu n'es pas venu avec ta famille. Tu as laissé ta femme derrière toi là-bas avec tes enfants. Et puis toi-même, tu es ici. Voilà. Mais c'est ainsi que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne la chance de pouvoir expliquer ça demain à nos enfants. Voilà. Je te dis ça en même temps. Mais t'inquiète pas, hein. Ça, c'est parole. Mais ça changera entre nous. Nos rapports là, personnels, là, ça ne change rien. Parce qu'on sait ce qu'on a traversé ensemble. Voilà. Maintenant, si c'est. Aujourd'hui, là, toi, qui est mon ami aussi, toi, tu t'assois pour dire que le président Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Mais c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Mais il n'est pas ivoirien, il est le président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, même au menton que tu te reconnais là, pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, si le président n'a pas dit, si le président n'a pas dit que il rentre pas. Donc, qui est fort? Donc, vous pouvez parler qui est fort? Quelqu'un qui n'est pas ivoirien, mais qui vous commande jusqu'à ce qu'il vous empêche de rentrer chez vous. Ah! Vous qui êtes les dignes fils. Parce que quand ça arrête dignes fils, quand ça soit dignes fils, quand se couche, mon cul, des plaisantins comme ça. Donc Parigo, pour terminer, je ne voulais même pas être long sur cette vidéo. Parigo, de grâce, fais tes vidéos. Ne t'attaque plus jamais au président. Parce que tu n'es même pas. Toi, tu n'es même pas ivoirien. Et puis toi, tu ne vas pas venir parler dans le problème de la Côte d'Ivoire. Et quand tu parles des dignes fils de la Côte d'Ivoire, là, toi, tu n'en fais même pas partie parce que tu n'es même pas ivoirien. Voilà. Si par accident, tu as gagné un passeport ivoirien, faut t'en remercier et puis faut te réjouir de ça. Sinon, ce n'était même pas quelque chose qui te revenait des droits. Voilà. Parce que jusqu'à ce que ton papa il meure, là, il n'a jamais pris nationalité ivoirienne. Voilà. Et tu n'es même pas né en Côte d'Ivoire en plus. Donc tu ne peux pas venir changer notre histoire ici. Tu ne peux pas venir te faire passer pour ce que tu n'es pas. Voilà, on n'a qu'à se respecter. Voilà. C'est Mans, la ville de Mans qui a accueilli ta famille. Et ton oncle même qui est venu, chez qui tu es venu ici là, il t'a dit. Il dit lui, depuis qu'il est rentré en France ici, il est en bonne collaboration avec les Ivoiriens. Il n'a jamais eu de problème avec les Ivoiriens. Voilà. Et lui, il est reconnu ici en tant que membre de la communauté guinéenne en France ici. Il ne faut pas venir gâter ses rapports entre lui et puis les Ivoiriens ici. C'est comme ça qu'il t'a mis dehors de chez lui. Donc toi, tu n'as pas venu transformer les choses comme si nous on ne connaît rien. Tu penses qu'on lave nos visages par là-haut? Regardez-moi des gens comme ça. Donc vous, là, vous allez passer tout votre temps à falsifier l'histoire. N'importe quoi. Donc si c'est les amis, c'était les deux petits mots là. Je voulais dire à son Ablaye Fofana
Et à son Guillaume Soro et son Paris Go des Guinéens là. Vidéo là, envoyez-le. N'ont qu'à voir ça. Et vraiment dit merci et félicitations à tous ceux qui sont sortis hier, malgré certains états au travail. Parce que moi j'ai reçu plein d'appels. Il y a des petits mecs que j'ai acquis qui sont dans moi-même mon groupe, à qui on avait déjà donné des t-shirts, mais ils se trouvaient à la dernière minute, ils devaient travailler. Ils n'ont pas pu être là. Au moins ils venaient à 17h, c'était déjà fini. Donc imaginez un peu si tous ceux-là ils étaient là. Mais ils allaient tomber des nuits depuis chez eux là-bas. C'est ça aussi. Quand on dit démocratie là, c'est le président. Quand on dit le président démocrate là, c'est Alassane Ouattara. Parce que malgré vous faites tous vos bêtises, vous dites tous vos conneries, il n'a jamais accepté un jour qu'on vous arrête, même à l'étranger ici. Et puis vous allez vous plaindre. Et puis vous pouvez vous plaindre, vous pouvez parler de lui. Bande d'imbéciles, bande d'ingrats. Bon dimanche à tous la famille. Bon dimanche. Je vous aime bien, on est ensemble.